Non, mais regardez le contraste. Non, c'est impossible. Et on va l'allumer. I would want a candy shop. Hello, j'espère que vous allez trop bien. Moi et mes mains orange, on vous dit bien le bonjour. Je savais que c'était une mauvaise idée d'utiliser cet autobronzant. J'aurais pas dû. Non mais regardez l'état de mes mains, regardez le contraste. Même les 7 nains dans Blanche-Neige, ils avaient des mains plus propres que moi. Je suis trop contente de vous retrouver parce que j'ai enfin reçu ma ring light. C'est quoi ce cri? Oh mon dieu! Je voulais faire une vidéo dessus car je me suis dit que ça pouvait intéresser quelques personnes. Et du coup, on va découvrir ensemble ce que je n'ai pas déballé le colis. Déjà, je ne sais même pas comment je vais pour tenir parce que ma ring light, ça fait au moins 100 ans que j'en veux une. Je l'ai reçue hier, je vous la présenter. Pour ceux qui ne savent pas ce qu'est une ring light, bah faut se renseigner un peu. Non mais les gars, on est en 2021, à un moment donné, faut se réveiller quoi. Donc plus sérieusement, pour ceux qui ne savent pas ce qu'est une ring light, c'est un anneau lumineux qui dégage une lumière fantastique. Tellement fantastique que tu brilles tel un vampire comme dans Twilight. Ah si, si, je te jure. Je vais me reculer un peu parce que du coup le carton est assez encombrant. Je ne sais même pas si vraiment vous allez voir, donc je pense que je vais peut-être reculer, je sais pas, je vais m'organiser quoi. Comme d'habitude dans ce menu, ils ne sont plus beaucoup de cuisine. Déballer. Attendez, parce qu'en fait, ça, je crois que c'est juste un carton de protection. En fait, faut être délicat pour pas la casser. Du coup, voilà, c'est bien ce que j'avais dit. C'est dans un carton de protection. Oh, le bébé de sa maman, c'est énorme. Oups, j'étais un peu sauvage. Je vais la déballer et je vais vous montrer. Donc du coup, moi, c'est une ring light que j'ai commandée sur Amazon. Cette lampe, je l'ai payée 95 €. Après, il y a différents prix. Hein, donc vous n'êtes pas obligé de prendre celle-ci à 95 €. Regardez un peu celle qui vous convient. Ok. Pas très malin, la boîte est ouverte. Hein. Celui qui a emballé ça, pas bien du tout. Bon, du coup, je sais pas comment ça fonctionne, mais je vais essayer de déballer un peu tout. Honnêtement, je sais pas où et quoi. Un carton avec donc ceci. Ça, c'est la partie qui nous intéresse le plus, l'anneau. Voilà ce qu'est une ring light. Bah voilà, c'est ça, c'est fini. Non, on a fini. Il est grand, j'adore. Voilà, donc, on a un sac de transport, un nano LED réglable de 48 cm. Vous avez d'autres dimensions, mais en tout cas, moi, j'ai pris le plus grand parce que c'est ce qu'il me fallait. Donc, 48 cm, c'est de là à là. Un filtre couleur blanc, un filtre couleur orange et orange comme mes mains. Un chargeur, la prise universelle, ceci qui se relie là. Un adaptateur pour votre téléphone, enfin pour déposer votre téléphone. L'accrocher ici sur la lampe, je vous montrerai. Qui est compatible avec pas mal de téléphones. Regardez un peu les détails, mais voilà, normalement, beaucoup de téléphones passent dessus. Alors ça, c'est l'adaptateur qu'on met sur le trépied, genre pour poser votre appareil photo numérique et votre téléphone. C'est compatible avec beaucoup d'appareils aussi, hein. Regardez un peu, il y a des marques. Ceci qui est un tube souple, ils disent souple, mais je vois pas il est souple quoi. Il est souple, souple. Normalement, il est censé être souple, mais là, il n'est pas souple du tout. Non, c'est impossible. C'est pas souple du tout, c'est hyper dur. Je vais me péter les mains. Voilà, et donc ici, le trépied, qui donc la mesure 1m55. Ouais, 1m55. Une petite télécommande Bluetooth pour activer votre téléphone, votre appareil, enfin lancer le... Mes mains, c'est horrible. Mes mains, c'est horrible. Je ne les supporte pas. Je les vois là dans le retour caméra, c'est affreux.
Non, c'est orange, orange, quoi. Vous avez un petit guide, un petit mode d'emploi. Voilà, bon, je crois pas que moi ça va m'être utile, mais je vais savoir rassembler tout ça. Il y en a là-dedans. Oui, je sais bien, on dirait pas comme ça. J'ai un beau quotient intellectuel. On dirait pas, je sais pas. Voilà. Donc, vous prenez les pieds comme ça. Et ça se retourne. Voilà, ça c'est votre trépied, ok? Ici, vous avez à chaque fois toutes les petites manettes hein, pour voilà, bouger le réglage. Mais bon, bref, on va le laisser comme ça, juste pour tester. Donc, étape 1, c'est avec le trépied. 2, on va prendre ça qui est censé être souple. Ça, je comprends pas. Ça doit être souple. Ah si, c'est souple. Mais c'est souple, mais c'est genre... Regardez, vous voyez que je l'ai plié. Mais attends, faut faire du karaté, de la boxe ou du judo pour arriver à plisser ça. Ah là là. On va laisser droit parce que j'ai des bouffées de chaleur, quoi. Donc, attendez. Voilà. Bon, ça, il faut le bloquer parce que sinon, le truc, il va bouger. Attendez, parce que le truc, il est comme ça. Voilà. Je vais le descendre. Comme ça, vous allez voir la ring light. Le trépied, il est en train de faire le grand écart. Numéro 3, voilà, c'est l'anneau. Donc... Parce qu'à chaque fois, vous devez dévisser les petites vis ici qui font effet serrage, en fait. Vous serrez quand même très fort, pour histoire que ça tombe pas. La cale est là, ok. Je vais peut-être mettre les blancs, mais je ne sais pas si on peut le laisser sans les caches. Voilà, là je suis en train... Voilà. Ah ben, il faut avoir de la force hein, ici. Bon, je vais pas tous les mettre, attendez. Voilà. Bon, là, je n'ai pas mis les trucs, mais je vais laisser comme ça. Je vais laisser comme ça. Après, vous pouvez mettre les oranges si vous avez envie tout autour, les blancs. Honnêtement, je ne sais pas si on peut laisser la lampe sans ça, ne pas les mettre. Moi, je ne sais pas du tout. Voilà, donc ici vous allez brancher votre prise. Voilà, donc le chargeur, ça ici, dedans. Je suis trop contente quand j'ai comme ça un nouveau truc et tout, un nouveau joujou, quoi, j'adore. Bon, je vais éteindre juste la lampe là, attendez, comme ça on va essayer celle-ci. Tournez vers moi, voilà, la lumière. Je me suis prise. Bon, je vais éteindre la lampe là qui m'illumine. Et on va l'allumer. Je suis so excited. Donc là, je suis dans la lumière du jour sans mélange. Et donc ici, normalement, vous tournez. Voilà. Ici, vous avez un endroit. Et en fait, vous savez gérer avec le bouton l'intensité. Là, j'ai mis à fond. Là, pour l'instant, je m'illumine avec ce genre de lampe comme ça. Honnêtement, ça éclaire quand même fort. Attendez, je vais juste rallumer là. Je rallume là juste pour qu'on voit bien quand même. On va installer le petit adaptateur là-dessus pour poser notre appareil. À vous de voir le candy shop. Vous rappelez, c'était la traîne sur TikTok. Et ici, c'est là où on va venir mettre ceci. Donc, le petit carré, on vient le mettre ici dedans. Voilà. Et vous n'avez qu'à tourner pour serrer. En gros, voilà. C'est ceci que j'essaie de vous montrer. Voilà. Ça ici, il faut bien la bloquer, sinon elle descend. Voilà. Et là, je vais mettre l'adaptateur du téléphone. On va venir juste le faire tourner. Voilà. Et là, vous avez une boule, donc vous pouvez bouger ça ici. Et vous avez le réglé ici. Voilà! Oh, c'est super cool! Oh, je l'adore! Voilà, faut savoir que ce genre de lampe, c'est super utile pour les gens qui font des vidéos ou qui font des photos, des belles photos Instagram, vous voulez une belle luminosité. C'est le top, même ceux qui font des TikTok, même pour les gens qui travaillent, par exemple les esthéticiennes ou je sais pas, celles qui font les extensions de cils, les sourcils, les ongles. Voilà, donc dorénavant, c'est avec cette lampe que je serai éclairée pendant mes vidéos YouTube. Ça va être trop génial, hein. Ouais, j'ai essayé, ça va être super cool.
on va trop s'amuser. De premier abord, là, mon avis, ben, c'est que franchement, je me sens pas arnaquée. Bon, après, j'ai pris celle à 95 euros, mais il y en a d'autres avec d'autres prix. Hein. Il y avait 40, 20, ça dépend les tailles. Hein. Voilà, moi, j'ai pris la plus grande, le plus grand pied, etc. Maintenant, à vous de voir ce que vous avez besoin. Après, moi, là, de ce que je viens de voir, je suis contente. Elle est arrivée intacte. Voilà, j'ai hâte de l'utiliser dans mes prochaines vidéos pour mes photos Insta et pour tout autre projet artistique. Et vous vous rendez même pas compte comment je suis trop fière que dorénavant sur ma chaîne YouTube, je serai éclairée avec ça. Vous vous rendez même pas compte. Je suis trop contente. C'est comme si c'était Noël, en fait. Je vais pouvoir enfin faire ma star comme il se doit. Je trouve que ça met mon blondissime en valeur, très très en valeur. Bon, en tout cas, ça fait quelques minutes que je l'ai au-dessus de mon cuir chevelu et ça n'a pas l'air de chauffer ou de me cramer les cheveux. Voilà, niveau chaleur, ça a l'air de bien se passer. Donc, je vais l'installer là juste pour finir ma vidéo. En fait, je peux même la finir comme ça, mais j'ai envie de l'utiliser et j'ai un peu envie de me redresser parce que là, je suis un peu pliée sur moi-même depuis quelques minutes. Et mes organes commencent à souffrir. Mon corps me demande de l'aide, donc je vais me redresser. Je vais installer là sur le côté et je vais clôturer ma vidéo puisque oui, c'est ici que s'achève ma vidéo. J'espère que celle-ci vous aura plu. En tout cas, n'hésitez pas si vous avez des questions. Pensez à vous abonner si ce n'est pas encore fait. Si vous êtes nouveau, venez rejoindre la team. Likez, commentez. N'hésitez pas à me rejoindre sur les réseaux et à me suivre un petit peu partout. Je vous dis à bientôt. On se retrouve très vite dans une prochaine vidéo. Je vous fais plein de bisous. Je vous les envoie pas avec mes mains oranges parce que elles sont dégueulasses. C'est infâme. Ça me rend malade. Bisous, ciao. On se retrouve très vite. Oh, je t'aime, j'espère que tu aimes ta maman. Je suis trop contente de t'avoir trouvée. Ça te dit qu'on fasse une photo Instagram? Une belle photo Instagram? Rien que toi et moi, rien que nous deux, quoi. Ça te dit, hein? Je le sais.